Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour un haul La Fourmi Créative. Donc je vous avais dit que j'avais profité des moins 50% sur leur papier. Après c'était pas moins 50% sur tous les papiers. Mais bon, mon panier était déjà... Il y avait déjà des choses à l'intérieur. Donc j'ai juste profité du coup de rajouter une collection qui me tentait bien. Ah, je vois un chipboard qui est balade. Donc du coup, l'autre fois j'avais commandé dans un haul, je sais même plus si c'était Kimidori. Je pense que c'était un haul Kimidori. J'avais acheté la collection Simple Story. Let's get crafty. Et il n'y avait pas les brades. Les brades autocollants. Joli, hein. Moi j'adore la tasse, c'est trop chou. Et du coup il y a des chipboards, donc il y en a 27 et 7 chipboards. C'est rare que je prenne ça, mais là ça me tentait bien. Donc du coup j'ai pris ça et j'ai repris des feuilles 30 de la collection et du coup d'autres collections aussi. Donc ouais, celle-ci je l'avais pas pris l'autre fois, donc j'ai pris celle-ci. Ouais, elle est jolie, hein. Il y a ma petite tasse là. Donc du coup si on veut on peut les découper. On va voir comment je vais l'utiliser. Derrière, c'est comme ça. Ensuite, ça aussi. Donc là, moi, je suis pas fan. Donc ça, je kiffe. Alors, on a tous les loisirs créatifs. La laine. Ça, je l'ai en plus. Et j'utilise pas vraiment. Je l'avais un peu cassé déjà. Donc je trouve que c'est pas du solide, hein. Elle est jolie, hein. Là non plus, je suis pas fan. Là, oui. C'est beau. Donc là, c'est des tags. Et derrière, c'est comme ça. Non, j'aime bien. Je suis pas très flashy d'habitude, mais non, j'aime bien. J'aime bien cette collection. Et là, je crois qu'il n'y a plus. J'avais pris que ça de la collection. Ensuite, j'ai pris, je crois, un papier pailleté, ouais. Donc Séverine Battista, tu me diras. Donc c'est, ça doit être celui-là que tu prends. Ouais, il est épais, donc c'est du railleur. Je sais pas comment ça se dit. Railleur. Oh, je sais pas. C'est du 200 grammes. Ah, il est joli. Ah bah, j'ai le mien à côté, tiens. Je vais voir. Alors vous, ah si, on voit, ouais, on voit la différence. Il est joli, mais je préfère quand même le mien. Du coup, il est quand même un peu plus jaune. Hein. Après, moi, le mien, c'est du... je sais plus, c'est du 180. Il est trop fin, le mien. Mais j'adore la couleur. Ensuite, j'ai pris une collection bébé, Baby Girl, de Eco Park. Donc, des nuages. Mais moi, c'était surtout ce côté-là. Je trouvais trop chou. C'est mignon, hein. C'est chou. Celle-là, j'adore. Eco Park aussi. Donc ça, c'est pas une collection, c'est Hello Baby. Ah, elles sont jolies, les fleurs.
apparemment. Et derrière, c'est comme ça. Oh, il est trop chou, le renard. Petit lapin. Non, c'est trop mignon. Bon, du coup, dommage, hein, les fleurs, elles sont derrière. Ouais. Alors, éco-parc encore. Donc là, c'est tout simple. Et le baby. Et là, c'était des bornes comme ça. Oui, bon, c'est trop mignon. Les lettres de l'alphabet. Mais moi, je kiffe le renard. La lune. Ouais, pareil, un petit mouton. Et après, il y a les mois. Je crois pas que... Je sais plus si EcoPark, ils font du digital. EcoPark. Je crois qu'ils font pas de digital. Hein. Mais c'est dommage. Donc là, les petites étoiles. Et là, c'est les vêtements qui sont étendus. Trop mignon. Petite robe. Les petits pyjamas, les body, les bonnets, les bavoirs, les chaussettes. Il y a même des couches lavables. Ouais, j'adore. Bon, j'ai toujours pas commencé mes projets d'album bébé, mais j'ai tellement de trucs à faire que j'ai jamais le temps de commencer. Bon, j'ai craqué, j'ai repris cette feuille. Hein. Chaque fois que je la vois, je peux pas m'empêcher de la prendre. J'adore. Elle est magnifique. Ouais, franchement, c'est une des plus belles pages qu'elle ait fait, Maggie Holmes. Je crois que c'est une de mes préférées dans toutes les collections, celle-ci là. Je la trouve magnifique. C'est Garden Party. Et celle-ci aussi, c'est Garden Party. Je la trouve jolie aussi, celle-ci. Moi, je l'aime bien dans le bon sens. Voilà. Mais celle-ci, là... Après... Oh, je viens de... Pardon. Oh là là, je viens de cramer quelque chose. Oh, j'avais même pas remarqué. Je viens juste de remarquer. Eh, Séverine. Séverine, Patricia. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je vous montre. Hein. Je viens juste de... j'avais pas cramé. En fait, je viens de voir que c'est la même feuille. Parce que j'étais en train de me dire, c'est les mêmes fleurs et tout. En fait, c'est les mêmes fleurs, mais juste c'est les couleurs qui changent. J'avais pas cramé. Vous voyez? C'est les mêmes. Tac, tac, tac. Bon, là, ça a été coupé plus, mais en fait, c'est la même... Ah ouais! C'est vrai qu'on a remarqué qu'elle reprend les mêmes designs, même dans des autres collections. Après, elle change la couleur ou des petits trucs qui changent, quoi. Bon, après, j'ai remarqué qu'ils font un peu tout ça. Mais là, ouais. Parce que c'est de la même collection, en fait, c'est les mêmes fleurs. Ah ouais! Bon, du coup, je préfère quand même celle-là. Hein. Ah là là, bah vous me direz, hein, Séverine et Patricia, si vous aviez cramé ou pas, parce que moi, j'ai rien vu. Ensuite, j'ai repris. Alors, ce bloc, celui-ci, j'adore. Je crois que la première fois que je l'avais acheté, c'était sur Créavia. Donc, il y a 10 feuilles. Bloc pailleté et 180 grammes. Oui, donc non, celui-là que j'aime, mon pailleté, moi, c'est pas 180, c'est... Ah, je sais plus, c'est trop fin, celui-là. Peut-être 120? 120, je crois. Donc, du coup, on a du blanc. Du argenté. Bon, c'est parce que j'utilise souvent, mais... Quelle collection, je trouve que ça va avec. Donc, du coup, en fait, les golds, c'est qu'il y en a plusieurs différents.
Celui-là, je suis un peu moins fan. Vous verrez peut-être pas bien. Il est plus jaune. Celui-ci et celui-ci. Ah, ça, ouais, que je comprends pas, c'est pas les mêmes. Ces deux-là, j'adore. Alors, celui-là, j'aime pas du tout. Là, il est jaune, hein. Ouais. Après, j'arrive quand même à les utiliser, mais. Donc, ouais, ils sont jolis. Celui-ci, celui-ci. Donc, Séverine, toi qui me disais que t'aimais pas, mais regarde, il y en a des jolis, hein. Franchement. Après, je sais plus. Je crois que c'est. Ils sont tous différents, hein. Ouais, j'ai du mal à voir, mais peut-être qu'il y en a en double. Celui-là, c'est pas le même. Alors, le tien. Même texture. Ouais, peut-être. Non. Un petit peu plus à celui-là. Celui-là, il fait un peu, je sais pas, un peu bronze. Trop foncé. Ouais, bah j'ai pas le même que le tien. Bah c'est cool. Donc voilà, mais je suis contente. En plus, il était en promo. Et du coup, voilà. Bon, tout va tomber. Hein. J'ai profité. J'avais vu sortie, j'hésitais. Hein. Et du coup, elle était en promo, j'ai pris. Hey, hey. C'est la collection Celebrate de Simple Story. Donc, j'ai pris le petit. Allez, je vais le sortir comme ça. Donc, il y a 90 pièces. Alors, on va voir les papiers. Ouais. Ah, j'aime bien les gâteaux. Bon, moi, je suis pas très gâteau, mais j'aime bien, c'est joli. C'est la mouette. Ouais. Ouais. Tiens, me fait penser à quelque chose, celle-ci, j'ai déjà vu. Je crois que ça me fait penser à Ouray, ouais, de Crêpe Pepper. Il y a un papier qui ressemble à ça. Ah bah, ouais. Hip, hip, Ouray. Ouais. Oula, j'ai failli là. Envoyer valser. Les drapeaux. Jaune. Ouais, les fleurs. Petites abeilles. Ça. J'aime bien les chapeaux. Les chapeaux, les tags, derrière c'est comme ça. Yeah. Des étiquettes, des pipoyères. Je regarde, j'analyse les matchs. Les rayures. Voilà, j'aime bien. Ah oui, c'est du rose. Des petites étiquettes. Ok, celle-ci et celle-ci. Happy birthday. Et alors? Non, non.
c'est vrai. Donc les autocollants, des chapeaux, les gâteaux, des fleurs, appareil photo. Voilà. Bon, voilà. Pour cette collection. Je pense pas que je vais acheter. Je vais essayer de faire quelque chose juste avec ça. Parce que j'avoue, en collection anniversaire, j'ai pas. J'ai juste. Ouais, c'est surtout crêpe paper au vrai. Après, si, je dirais que j'ai. J'ai Rosie Studio, mais bon, je voulais changer un peu. Après, je préfère quand même celle-là de Crêpe Pépère pour la collection. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, hein, comment vous la trouvez. Du coup, je suis en train de me dire, ouais, c'est ça en fait. Je regardais là, et en fait, la planche, elle est quand même plus terne que quand je la vois là. En fait, je voyais les feuilles, et c'est plus clair. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. C'est plus clair. Et en fait, là, du coup, bah moi, ouais, je me suis dit, bon. Bah, c'est plus foncé. C'est plus foncé. Ouais. Ouais, c'est vrai que je trouve un peu plus foncé. Mais bon, on verra. Hein. Et bah, c'est tout. Voilà pour ma commande la fourmi créative. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. À me mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. À vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!